scolarisée dans ce collège du quartier de Lille-Sud. Depuis la rentrée de septembre 2011, alors qu'elle est âgée de 12 ans, elle entretenait une liaison avec son professeur d'anglais, une femme de 20 ans son aînée. Une relation pédophile dénoncée par la mère de l'adolescente, mais aussi par le personnel de l'établissement scolaire. L'enseignante aurait reconnu les faits, aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cet élève, non seulement à son domicile, mais au sein de l'établissement scolaire. L'adolescente a maintenu sa position, refusant de révéler quoi que ce soit sur cette affaire et tentant de protéger bec et ongle sa professeure. L'enseignante a été suspendue de ses fonctions au moins jusqu'à sa comparution prévue le 3 juin. Ce matin, aux abords du collège, les habitants étaient consternés. Très choquée, oui. Ça serait ma fille. C'est dur à digérer. C'est des choses qui me font mal dans les tripes, que je ne peux pas entendre, effectivement. Accusée d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, l'enseignante a été remise en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. Il lui est interdit d'entrer en contact avec son élève et d'approcher son ancien collège.